Bien, merci beaucoup, Henri, pour cette présentation de votre parcours, de vos travaux et de vos perspectives. Donc, pour continuer sur cette soutenance et sur l'évaluation de votre parcours, on va donc enchaîner avec la phase de questions. Tout d'abord avec les rapporteurs. Donc, nous allons commencer comme le veut un peu la tradition, du plus loin au plus proche. En commençant donc avec Myriam Servière, maître de conférence à l'École centrale de Nantes. Je te passe la parole, Myriam. Merci beaucoup. Donc, d'abord, merci pour cette présentation. Vous avez exposé clairement vos motivations pour utiliser les technologies numériques et aller vers de la construction durable. Avec, ben, comme dans le rapport, en fait, un lien de votre recherche à votre pratique professionnelle, c'est une mise en valeur de ce lien. Donc votre cursus professionnel il est riche, hein, tant côté enseignement que côté recherche, que vous m'avez représenté en début de présentation, avec une bonne production scientifique, enfin, assez importante, beaucoup de responsabilités pédagogiques et administratives, de nombreuses collaborations. Au niveau de vos travaux, j'ai quelques questions sur la partie recherche. Plus, notamment quand vous parlez d'utiliser dans la partie sur les panneaux photovoltaïques, alors pellicules, si je le dis bien, La partie vous avez 2. travaillé la partie sur les panneaux photovoltaïques, Oui, oui. l'aide à la décision en fait, hein, Oui. pour placer les panneaux. Oui. Ce que vous avez présenté dans votre rapport, est-ce que vous avez présenté là maintenant, c'est de l'aide à la décision par rapport à des critères morphologiques d'un bâtiment. Oui. Et je me posais la question votre volonté d'étendre ce travail avec vos perspectives à la prise en compte du contexte, par exemple, à la prise en compte des bâtiments environnants, des ombres portées, des arbres, de ce genre de choses que vous pouvez trouver comme données qui ne sont pas forcément dans un BIM directement, mais plutôt dans un SIG. Est-ce que vous avez réfléchi à utiliser ces données pour compléter vos travaux précédents par rapport à ça, par rapport à l'aide à la visite? Vous avez parlé de données comme les arbres, quelque chose comme ça? Les arbres ou les bâtiments environnants pour le calcul des ombres portées pour l'aide à la décision de la position des panneaux. Non, je n'ai pas fait ça dans le cadre de ce que j'avais fait, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de le faire. Mais ce qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Avec le BIM, c'est en train d'évoluer avec le temps. Et ce qui fait que ce qu'on fait dans le domaine de BIM, c'est quoi? Pour faire le design dans le logiciel de design, par exemple, on pense déjà aux objets qui existent. Et pour le moment, les choses comme les arbres ne sont pas trop considérées. Mais même déjà, c'est plus récemment que les panneaux solaires viennent dans ce domaine de BIM. Donc, quand je faisais ça, les arbres n'étaient pas. On n'avait pas considéré. Mais j'ai un doctorant maintenant qui a commencé à Zenap, qui a commencé à 2015. Elle fait ça en distance, elle est basée au Nigeria, elle est en train de prendre ça en compte. Donc, c'est l'extension de ce que j'avais fait. D'accord. Justement, par rapport alors à toutes ces extensions possibles, vous parlez d'un passage à l'échelle en perspective de bâtiments à des échelles plus larges au niveau des villes. Dans ce contexte-là, comment vous voyez l'intégration entre le BIM et le SIG et les mises en correspondance de ces structures de données à travers ces échelles pour passer de l'échelle bâtiment à une échelle infrastructure? Oui, ça tombe très bien dans le cadre de ce que je peux. Ça tombe très bien dans le cadre de Positive Energy Buildings, par exemple. Si on considère ça déjà au niveau de ville, on va penser si on doit fournir, s'il y a, quand on pense au niveau de ville, il y a les bâtiments commerciaux, il y a les bâtiments résidentiels, il y a les bâtiments publics. Et il y a maintenant les sources d'énergie qu'on doit considérer. Est-ce que les sources d'énergie qu'on doit considérer, si c'est le PV, est-ce qu'on doit penser, quand je parle de PV, système photovoltaïque, je m'excuse, oui. Est-ce que c'est le système photovoltaïque, est-ce que ça va fournir
Est-ce que ça va ravitailler un seul bâtiment ou bien le bâtiment communautaire? Si c'est déjà plusieurs bâtiments, si c'est plusieurs bâtiments, on doit considérer peut-être le PV qui doit être placé comme un champ de PV, par exemple, photovoltaïque système. Donc, on aura plusieurs, qu'on aura un champ pour ravitailler une communauté ou bien l'ensemble des bâtiments. On peut aussi considérer, quand on considère déjà comme ça, ça ne peut pas être suffisant, on va aussi considérer d'autres technologies pour supporter les panneaux solaires, par exemple. On peut aussi considérer les générateurs pour supporter ça, parce qu'il y a de fortes chances qu'au niveau des chefs de ville, le système panneaux solaires ne peut pas ravitailler tous les bâtiments. Donc, dans le cadre au niveau des villes, il faut qu'on ait un inventaire de tous les bâtiments, de tous les systèmes qui vont consommer l'énergie. Et maintenant, on pense, est-ce qu'on peut utiliser le système panneau solaire pour ravitailler toute la ville, niveau individuel, ou bien niveau communautaire, ou bien niveau de test qu'on peut avoir plusieurs bâtiments avec plusieurs bâtiments avec une seule source. Et si ça peut ravitailler, bien, mais si ça ne peut pas ravitailler, est-ce qu'on peut considérer d'autres sources d'énergie pour complémenter ce qui vient de systèmes photovoltaïques? Oui, alors vous considérez ce lien à une échelle territoriale, mais de manière vraiment thématique par rapport soit à l'énergie, principalement à la source d'énergie. J'étais plus dans une idée d'interopérabilité entre les formats de données, mais c'est pas. Ça, vous répondez quand même en partie à ma question. Donc, sur le plan interopérabilité, comme vous venez de dire, il y a, quand on parle d'interopérabilité, c'est la communication entre les logiciels qui vont faire tests, c'est entre les logiciels ou bien les technologies qu'on a mises sur place. Déjà, au niveau des villes, il y a un problème de technologie déjà. Au niveau des villes, on peut penser des logiciels qui modélisent des villes. Mais ces logiciels n'ont pas forcément certains composants, n'ont pas forcément les systèmes panneaux solaires intégrés. Donc, il faut déjà aussi développer les systèmes panneaux, il faut déjà trouver les systèmes panneaux qu'on peut tirer dans ces logiciels de BIM et pouvoir faire les analyses, pour voir le niveau que ça peut fournir l'énergie. Donc, ça pose déjà, il y a un problème d'interopérabilité que je peux accepter que ça existe. Mmh. Oui. Oui, alors moi, je parlais de... Oui, d'accord, vous parlez de faire obligabilité des logiciels, mais je vous parlais de modèle de données, mais OK, ça revient à la même chose. Bien, merci. Merci beaucoup, Myriam. Donc, nous allons passer au deuxième reviewer, enfin, deuxième rapporteur, qui est donc toujours dans l'ordre, en fonction de la proximité. Donc, Jules Sadefo-Capdem, professeur à l'Université de Montpellier. Je vous passe la parole, Jules. Je te passe la parole, Jules, pardon. Donc, bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à l'ensemble des membres du jury. À tous ceux qui nous écoutent. Hein. Donc, je suis ravi d'être de participer à ce jury. Bon, il faut dire que je suis professeur en sciences économiques, même si je suis mathématicien. Avant d'être économiste. Alors, je vais brancher mon ordinateur. Vous avez connaissance de mon rapport. Donc, effectivement, mon propos va être fait en fonction de mes formations initiales, mais surtout, mais aussi de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que, comme je vous dis, je suis professeur en sciences économiques. Et donc, il est clair que la transition numérique doit être véritablement une alliée de taille pour répondre à différents défis, hein, les défis climatiques, les défis économiques, par exemple, la diminution de la consommation d'énergie, etc. Et si l'usage du numérique pourrait mieux aider à concevoir les politiques
économique, le soutien de l'innovation, et même aussi peut-être l'écologie, hein, la transition écologique. Donc, effectivement, lorsqu'on on parle de BIM, effectivement, on est dans une optique aussi, de transition numérique, parce qu'on parle quand même du numérique, quelque part. Oui. Et donc, le soutien de l'innovation numérique en faveur de l'écologie et la mobilisation des données au service de la transition écologique, notamment la réduction d'énergie avec des bâtiments beaucoup plus, au moins des consommateurs d'énergie, par exemple. Donc, va faire que effectivement le BIM va être le BIM entre autres outils permettant de justement de bien aller vers la transition numérique et puis la transition écologique est forcément bienvenu. Donc la transition écologique va imposer que au secteur du bâtiment des objectifs d'efficacité énergétique. Donc elle va nécessiter la prise en compte des impacts environnementaux résultant de la conception, de la construction, de l'utilisation et de l'entretien, réparation des bâtiments. Il est vrai qu'initialement, le BIM a été plus focalisé sur la conception, mais il faudrait peut-être aller plus loin. Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais aller plus loin en allant peut-être vers la reconstruction. Parce que quand je parle de la conception, j'ai pensé au bâtiment neuf. Parce que bâtiment neuf, c'est plus orienté neuf, on va dire. Mais il faudrait peut-être penser à des BIM plutôt qui s'orientent plus vers la possibilité de reprendre des bâtiments pas neufs, anciens. Donc ça je pense que c'est un point aussi qui serait important de voir. Donc on a fixé le cadre général. Donc moi je situe un peu les BIM autour des questions de transition numérique avec les corollaires qui s'engendrent sur la transition écologique. Donc, effectivement, la lecture du projet d'HDR de professeur Abanda, de M. Abanda, effectivement, m'a interpellé à plusieurs égards. Et donc, à partir des mots-clés, il y a beaucoup de questions. Je commencerai par les remarques, puis après, j'aurai les questions. Beaucoup de remarques. Donc, je remercie pour cette version, pour la dernière version du document, qui est largement amplifié, amélioré, et aussi pour la belle présentation, très, très pédagogique. Donc, je peux comprendre que qu'il y ait des prix gagnés parce que, comme étant mieux enseignant, etc. Donc, parmi les remarques, il y a, par exemple, mes remarques vont être liées, par exemple, à un mot-clé, la durabilité. Et quand je pense à durabilité, je vois plusieurs dimensions. La dimension économique, entre autres, dit économique, social, environnemental. Environnemental et donc écologique, par exemple. Donc, j'aurais bien aimé que lorsqu'on parle de durabilité, qu'on le mette véritablement en avant dans un tel travail, qu'on puisse mentionner les dimensions et que les discours autour de l'adaptabilité, de la recherche autour de la durabilité, se fassent selon les dimensions. Ça permettrait effectivement de voir ce qu'on aurait peut-être occulté en termes d'analyse dans ce cadre, par rapport à ce mot-clé, durabilité. Développement durable, durabilité. Donc moi, mes remarques vont surtout aller vers la dimension, on va dire, économique, peut-être environnementale, mais économique. Donc la question des coûts, c'est une question cruciale, ça a été évoqué. Et donc de se dire que par rapport au BIM, l'un des intérêts majeurs pour les parties prenantes du secteur du bâtiment, et même du régulateur, du gouvernement, des territoires, c'est par exemple la réduction des coûts. Donc, effectivement, on ne peut pas tout faire. Hein. D'ailleurs, M. Abanda a bien dit qu'il fallait faire un logiciel qui permettait de tout traiter. On n'en finirait pas, mais bon, disons que quand on a mis en évidence le mot durabilité, moi, je m'attendais à ce que, par exemple, que la dimension économique soit véritablement, au moins rapidement commentée, puisque derrière, lorsque le gouvernement, dans le cadre de la transition numérique, incite le secteur du bâtiment à adopter le BIM, on l'a vu, effectivement, derrière, entre autres objectifs, il y a la réduction des coûts, il y a la dimension économique.
Alors, il y a les dimensions sociales, le bien-être des populations. On a parlé de pandémie. Hein, la pandémie, on a bien vu le problème des immeubles. J'y reviendrai. Pour l'instant, je fais des remarques. Hein, le problème des pandémies, par exemple, les immeubles dans les quartiers où, effectivement, les gens sont... il est difficile de respecter la distanciation sociale, pour dire ça comme ça. Et donc, effectivement, la politique des villes sur ce type de construction peut être revue, justement, par le fait d'avoir observé ce qu'on a vu hein, pendant le Covid. Ce n'est pas grâce, mais disons que pendant le Covid, on a bien vu que ceux qui habitaient les appartements, ceux qui habitaient justement dans les tels immeubles, n'étaient pas en plein confort. Donc, on parle du bien-être des populations. Il y a un côté social à ce discours de durabilité. C'est-à-dire que dans les politiques des villes, pour aller vers la ville intelligente, la ville verte, effectivement, la question de l'aménagement du territoire, c'est une question qui peut mériter d'être abordée, même si on le dit rapidement. Même si on le dit rapidement, même très vite, on peut le dire, on peut voir ça comme ça, mais c'est très rapide, en fait. Donc, effectivement, donc, il a parlé de la pandémie. On y reviendra, le problème de santé publique qui permet justement, avec pour corollaire, d'imaginer donc différemment les politiques des villes, même si pour d'autres raisons, on avait déjà imaginé que ce n'était pas forcément des bonnes solutions au moment où on faisait ces immeubles-là tels qu'on les a faits. Et donc, comment le BIM, effectivement, peut venir apporter des éléments de réponse à ces questionnements qui taraudent l'esprit des gouvernements, des responsables régionaux et tous les grands acteurs de la politique publique hein. Alors, il y a une autre remarque, hein, ce sont des remarques que je fais. Après, il y aura des questions précises. Alors, dans la question du BIM, il y a la question de la complexité. Je sors de la question de la durabilité, je reviens un peu sur la complexité des modèles, puisqu'on a parlé effectivement de la possibilité d'enrichissement au fur et à mesure le temps passant des données, puisque la donnée est au cœur du BIM, si j'ai bien compris. Oui, l'enrichissement en permanence des données. Donc, effectivement, on voit bien que on aurait pu aller vers des techniques du type machine learning, on a vu la web sémantique, etc., l'ontologie, pour justement bien cerner ces données afin de tirer le mieux possible les meilleures informations, l'essentiel de ce dont on aura besoin pour prendre la décision, pour accompagner la mise en place du bâtiment durable, du bâtiment vert et durable, de façon plus globale. Alors, la question est, face à cette complexité, que faut-il faire en termes de communication par rapport à la recherche? Qu'en est-il de la communication? Puisque il faut former les acteurs. Il y a combien d'écoles qui forment les spécialistes du BIM, quand je dis spécialistes avertis, hein, en France, par exemple? Donc, la question de la communication, c'est une question importante face à cette complexité, puisque la complexité va engendrer, parce qu'il faudrait que tous les participants... D'ailleurs, on a bien vu qu'au cœur du BIM, il y avait, par exemple, la notion de brainstorming. C'est-à-dire que plusieurs groupes de compétences différents vont se mettre ensemble pour essayer de procurer d'obtenir le meilleur résultat. Donc, à fortiori, ça vient encore mettre une couche sur la complexité que j'évoquais. Et donc, par conséquent, effectivement, la question de la communication reste une question clé. Et pour mieux communiquer, il faut que les gens soient formés. Les gens soient formés. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait, mais ce sont des remarques que je fais de façon générale après lecture. Après, j'arriverai aux questions, comme je dis, hein. Je joue un peu mon rôle de jury. Donc, si vous me permettez, Monsieur le Président. Donc, en fait, c'était une autre question, la complexité de la communication. Puis après, la question du cycle de vie. C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde fortement, le cycle de vie du bâtiment, de sa construction jusqu'à son éventuelle démolition, ou bien peut-être, le cycle de vie, on comprend ce que ça veut dire. Hein. Je pense que normalement, on sait que le candidat est spécialiste du domaine. Je n'apprends rien à personne. De toute façon, comme j'ai dit, mon discours, c'est dans une orientation économique, hein, même si je suis mathématicien à la base. Il y a cette remarque-là aussi. La question des territoires, la résilience des territoires. Comment les BIM, au niveau de la recherche, comment, dans une optique de recherche, les BIM pourraient aider à la résilience des territoires? Quand je parle de la résilience, je pense sur divers aspects. Question de délocalisation, il y a pas mal de choses qui peuvent être abordées. Hein. Donc ça, c'est une autre remarque. Des choses que j'aurais, au moins qu'on évoque rapidement. Hein. En fait, c'est vrai que la question du BIM, moi, je vois bien que c'est un sujet très, très intéressant, très, très ample. Maintenant, je vais aller vers quelques questions
précise. Je vais aller vers quelques questions précises. Alors, par exemple, en France, une des ambitions des politiques publiques, notamment, c'est la loi, par la loi de la transition énergétique, il est question de permettre un recyclage à hauteur de 70% dans le secteur du BTP. Donc, d'ici quelques années. Il est aussi question, en fait, de réduire la quantité des matériaux dangereux. Je ne veux pas parler de l'amiante, hein, mais des matériaux dangereux, ça peut être un exemple, mais bon, des matériaux dangereux qui entrent dans le cadre de la construction des bâtiments. Alors, ma question est la suivante. Comment l'utilisation du BIM et la connaissance des éléments des bâtiments ou des marchés des matériaux du marché du bâtiment pourrait aider à atteindre ces objectifs? Ça, c'est la première question. Favoriser le recyclage, réduire les matériaux dangereux. Ça, c'était un objectif de la transition énergétique en France. Comment le BIM et la connaissance des éléments du bâtiment, et aussi notamment le marché des matériaux du bâtiment, pourraient aider à atteindre ces objectifs? Je vais poser un ensemble de questions, hein, et vous allez peut-être répondre au fur et à mesure. Sauf si vous voulez. Alors, la deuxième chose, c'est en quoi le BIM est-il lié à l'économie de l'énergie? Et notamment au développement durable. Mais ça, je pense que la question du développement durable a été abordée dans votre document, on va dire à l'économie de l'énergie. C'est la deuxième question. Alors, la troisième question. En quoi le BIM, alors ça peut être réciproque, hein, en quoi pourrait-on faire par un lien entre, en quoi pourrait-on par un lien entre l'économie circulaire et le BIM mettre en évidence des corrélations fortes. C'est-à-dire en quoi le BIM pourrait aider à l'économie circulaire et la réciproque. Voilà trois questions principales dont j'attends des éléments de réponse. Merci. OK. Une minute là, s'il vous plaît. Économie circulaire. OK. Merci, professeur. Je vais commencer peut-être même à retoucher sur les remarques que vous avez faites avant de répondre à une question, peut-être même en touchant sur les remarques, ça peut répondre à certaines questions. Quand je parle de durabilité, le département là où je travaille, ce n'est pas un département de génie civil, c'est un département où nous sommes focalisés sur deux choses. Quantity surveying, qui est à faire avec le coût. Quantity surveying dans le système anglo-saxon, c'est vraiment le coût de projet. Donc, on a quatre masters, tous se focalisent sur quantity surveying ou bien gestion de projet. Et au niveau de l'essence, c'est la même chose. Ça veut dire que vraiment, nous sommes vraiment ancrés dans ces deux domaines. Donc, quand je parle de durabilité ici, mes recherches sont vraiment pencher sur l'aspect économique des projets. Et d'ailleurs, le BIM nous démontre que quand on investit dans le BIM, le coût initial est souvent très élevé. Mais quand on considère le coût de vie des projets, quand je dis coût initial, c'est le coût capital d'investissement. Parce que ce qui décourage les gens d'investir dans le BIM, c'est le coût initial. Quand on prend par exemple un seul logiciel de Revit, ça coûte dans les de 1500 à 2000 livres et après on doit renouveler par an. Les entreprises de petits, les PME ne veulent pas s'engager pour acheter les choses comme ça. Ils disent que c'est trop trop cher. Mais quand on considère déjà que si vous investissez dans ça, la courbe doit chuter à la fin par rapport aux gestions de projets traditionnels où le coût commence petit, mais ça chute exponentiellement. Ça, c'est bien. Donc, focaliser sur la partie économique. Et la partie environnementale de BIM aussi, j'en ai eu à travailler pendant des années, mais
notre point focal était vraiment sur l'énergie grise et le gaz à effet de serre. Pourquoi on a négligé l'énergie opérationnelle? C'est parce qu'on a élargi le logiciel qui nous donne avec les certitudes, l'énergie opérationnelle des bâtiments, par exemple. Et les méthodes physiques nous montrent qu'on peut bien le calculer. Donc, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est comment calculer l'énergie grise des bâtiments. En fait, il y a d'autres paramètres environnementaux qu'on ne tient pas en compte, qui ne sont pas vraiment trop exacts. La partie sociale, c'est là où c'est un peu difficile parce qu'il y a des paramètres dans la partie sociale qu'on n'arrive même pas à chiffrer ou bien qu'on ne maîtrise pas encore comment on peut l'intégrer dans le BIM. Mais quand on pense de BIM comme un processus qu'on peut engendrer et qu'on peut supporter avec la technologie, parce que peut-être j'ai fait donner l'impression que le BIM était rien que la technologie. Non, le BIM, c'est un processus de gestion de projet qu'on peut supporter avec la technologie. Ça me prend maintenant au niveau de complexité, qui est vraiment bien évident. Moi, je veux commencer en disant que ce n'est pas complexe. Le domaine de BIM n'est pas complexe. Et je vais prendre mon exemple pour vous montrer que ce n'est pas complexe. Et les projets qu'on a faits, quand je suis sorti de l'école polytechnique, on prenait, par exemple, 3 mois pour dimensionner un R plus 10 manuellement. Et quand je suis arrivé à l'université de Salford, j'ai utilisé à l'époque, c'était RoboStructures. Je crois que ça avait une version robot bâtiment développée par Dassault Systèmes. Pour faire ça, j'ai pris une semaine pour dimensionner ce bâtiment. Donc, la complexité était vraiment à nul. Ça, c'était l'expérience. Mais quand on compte qu'on a déjà utilisé le système CAD qui existe, le système CAD existe pendant des années, ce n'est pas du nouveau. Les gens qui ont déjà eu à utiliser les CAD vont témoigner que c'est vraiment complexe. Le projet de 375 000 livres que je vous avais montré dans ma présentation où j'ai fait workshop, un des working package, c'était de démontrer aux professionnels que le BIM n'est pas complexe. Le BIM peut faire gagner le coût, le BIM peut faire minimiser l'énergie. Ça, c'était un working package qui était vraiment focalisé sur un workshop des formateurs que j'ai eu à former 180 professionnels. Donc, l'affaire de complexité, qu'on venait de faire, la communication, on a déjà, j'ai fait déjà ça, et c'est avec les professionnels, j'ai eu à former 180. Et dans d'autres pays, c'est la première chose, parce que s'il faut convaincre les gens d'adopter, il faut vraiment démontrer l'applicabilité, l'importance des logiciels, comment ça peut les aider, dépendant de chaque professionnel. Donc, on le fait, ce qui est vraiment une partie importante. Bon, vous avez aussi mentionné comment, si j'oublie que je vous me rappelais, professeur, le recyclage, par exemple. Bon, j'ai dit que le BIM peut nous aider. Le BIM, c'est un processus de collaboration qui peut être engendré, qui peut être supporté par les technologies. Ça peut dire qu'on peut faire des choses, on peut collaborer, mais quand on collabore, qu'est-ce qu'on fait? On partage les données, on discute, on donne les idées, on fait le brainstorming. Et ce brainstorming, ça aboutit à quoi? Échange de données. Quand on parle de recyclage, chaque matériau a les propriétés. Et ça, c'est la différence de BIM et le computer et le design system qui existait depuis des années. Qu'est-ce qui se passe avec le BIM? Quand on prend un objet comme ça, dans le temps, on a deux dimensions. On a la partie géométrique et la partie non géométrique. La partie non géométrique, c'est l'information qu'on peut attacher sur le modèle. Quand je parle de modèle ici, je parle vraiment en tant qu'une structure palpable qu'on peut toucher. Par contre, avec notre système de cartes, de computer et de design system, ce n'était pas trop riche de ces informations. Donc, l'extension de l'information ou bien de données géométriques, non géométriques, c'est vraiment un atout de BIM. Ça veut dire que quoi? Selon les critères de ce qu'on peut définir comme recyclage, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu à travailler sur les thèses de master avec le recyclage. C'est très difficile. C'est le professionnel qui définit que tel matériau, quand on utilise tel matériau, voici le taux de recyclage, 75%, 50%. C'est avec ça qu'on capte sur les matériaux qu'on met dans, sur les modèles, sur l'objet qu'on peut intégrer dans le BIM, par exemple les fenêtres en bois. On peut te dire le taux de recyclage par le fournisseur, il a mis le taux de recyclage à 75% et dans 10 ans, il faut changer telle fenêtre, par exemple. Donc, les données comme ça, il faut d'abord avoir les données.
en temps de recyclage, si on a toutes ces données, on peut déjà les mettre dans le système de BIM, on peut développer les composantes avec ces données de recyclage. La même chose avec les matériaux dangereux. Si on connaît les matériaux et les propriétés et le logiciel BIM nous permet, c'est extensible, ça nous permet d'ajouter même les adresses des gens, même les noms, même tout ce qu'on peut mettre. Et on interroge le système au moment du design ou bien à un certain niveau, si on veut. Donc, pour le problème de recyclage, le BIM peut parfaitement nous aider. Ça peut parfaitement nous aider. Mais le seul problème qui existe maintenant, c'est les problèmes, les données de recyclage, de matériaux qu'on peut recycler ne sont pas vraiment très développées. Ce n'est pas vraiment exact. Et aussi, vous avez parlé de comment BIM peut aider dans l'énergie, dans l'économie d'énergie. Oui, je repasse sur, vous avez aussi mentionné que les bâtiments qui existent, vous avez parlé que la plupart des bâtiments existent, je suis d'accord avec vous. J'ai mentionné que 95% des bâtiments qui existent, 95% ici en Angleterre ou bien en Europe en général, les bâtiments qui existent, qui seront là jusqu'à 2050, c'est 95%. Ça veut dire que quoi? On a seulement la chance de construire 15% des bâtiments neufs. OK? Et ces bâtiments qui existent là, surtout ici en Angleterre, les 95%, la plupart, c'est les Victorian type of houses, Victorian type de bâtiments. Donc, c'est les anciens bâtiments qui n'étaient même pas efficaces en termes énergétiques. OK? Donc, maintenant, le problème, c'est de pouvoir, faire le design de ces bâtiments existants et ça nous fait maintenant d'amener d'autres technologies. Ce qui existe, les bâtiments qu'on a construits dans les années 60, est-ce qu'on peut encore avoir les cartes? Même, je connais les bâtiments ici en Angleterre qu'on a construits ici il y a 5 ans, on ne peut plus avoir les données. Quand je dis données, je dis les plans, tout, que ça peut nous permettre d'étudier la consommation énergétique. À partir de là, c'est là où on peut faire intervenir les autres technologies comme le scanner. Est-ce qu'on peut scanner les bâtiments existants et prendre les nuages, les points cloud et intégrer dans d'autres logiciels et faire les analyses énergétiques? Donc, pour vous dire, le BIM va contribuer certainement dans ce sens. En tenant compte, en voyant que, par exemple, les bâtiments consomment 40% d'énergie. Et c'est des énormes sommes de l'argent. OK? Et les bâtiments existent. Donc, il y a vraiment une grande recherche qui va focaliser sur rescanner les bâtiments qui existent si on a les technologies. Et on a bien évidemment, nous, on a une technologie de 3D laser scan de 50 millilitres qu'on a acheté. Ça nous permet de scanner les bâtiments et de retirer les données et mettre dans d'autres logiciels et pouvoir générer les 3D modèles. Et à partir de là, on peut aussi faire l'analyse de consommation énergétique. Donc, ça peut vraiment aider. Merci beaucoup pour ces échanges. Et donc, non, il n'y avait pas de... C'est un moment important et solennel, donc il n'y a pas de, à mon sens, pas de nécessité d'interrompre ces échanges riches. Passons donc au troisième rapporteur, donc Bruno Valespire, professeur à Bordeaux. Bruno, je te passe la parole. Ok, merci Frédéric. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été discutées, donc je vais essayer de me focaliser sur des points un peu particuliers. Alors d'abord, je commencerai par remercier quand même pour la présentation que j'ai trouvée très vivante et puis très, très basée sur l'expérience. On a bien ressenti, alors c'est une HDR, c'est normal qu'il y ait cette expérience, mais je trouve que dans la présentation, vous avez bien réussi à faire ressortir quand même toute l'expérience que vous avez sur le domaine, qui peut même éventuellement, je pourrais dire, dépasser l'expérience moyenne de certains candidats à l'HDR. Alors, la première question que j'aurais, qui est assez générale, c'est que bon, vous avez présenté les projets que vous envisagez pour vous, hein. À titre personnel, vous avez présenté aussi un certain nombre de projets, alors qui sont pour vous également, je considère dans ma compréhension des choses, que c'est aussi des projets de recherche qui sont plus généraux au domaine, je dirais. Mais finalement, quand j'y réfléchissais, je regardais, je me posais un peu une question qui est, il y a quand même des projets qui sont plus, je dirais, matures ou plus applicatifs que d'autres. C'est-à-dire que dans un peu tout ce que vous avez présenté, je pense qu'on doit pouvoir faire une différence entre des choses qui relèvent plus aujourd'hui de besoins, d'évolution, d'innovation dans le domaine,
de sujets qui sont plus vraiment recherche, je dirais, au sens primaire du terme, je dirais. C'est-à-dire que finalement, dans tout ce que vous avez présenté, si je vous pose, alors je ne sais pas si c'est une question qui est facile pour laquelle à répondre, hein, mais quels sont les grands domaines scientifiques de ce domaine, c'est-à-dire quelles sont, si je devais donner 3 ou 4 grandes orientations scientifiques dans le domaine de la construction et de l'usage des nouvelles technologies, notamment du numérique dans la construction, qu'est-ce que je mettrais en avant aujourd'hui? Qu'est-ce que vous mettriez en avant, vous? Je vais mettre l'intelligence artificielle. D'accord. Oui. Et la raison pour laquelle je n'ai pas voulu mettre ça en avant, parce que je ne voulais pas donner la face que c'est un domaine informatique. Donc, dans ma tête, c'est de mettre les grandes lignes comme Digital Twin, les City Information Modeling et le COVID avec le BIM, mais pas derrière ce qu'on sait. On ne peut pas avoir Digital Twin sans parler de l'intelligence artificielle. Mais c'est ça qui doit tirer, qui doit. Et quand on parle d'artificielle, l'intelligence artificielle, on doit penser à deep learning, à machine learning, que, à mon avis, ça va être le devant. Ça, c'est un, mais je peux penser ça, que ça, c'est du même niveau. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de BIM. Moi, je me dis que d'ici 5 à 10 ans, le BIM doit être normal. C'est même déjà normal, c'est banal aujourd'hui dans le domaine de recherche. Mais ce qu'on doit, on commence à réfléchir, c'est la dimension intelligence artificielle et la dimension de d'autres technologies, telles que j'ai mentionné, les robots, les 3D, les scanners, les scanners 3D. Est-ce qu'on peut pouvoir les informations de ça intégrer dans le BIM? Donc, pour engendrer ou même pour améliorer la performance de gestion des informations ou bien des projets en utilisant cette technologie. Donc, je peux dire, en grosso modo, pour répondre à votre question, l'intelligence artificielle et les différentes technologies telles que le 3D laser scanner, les robots, comment prendre les données là-bas et améliorer le processus de BIM. D'accord, OK. Alors, par rapport à ce que vous dites, bon, j'ai quand même un bémol. Enfin, ça fait partie des grandes discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui et tout le monde peut ne pas être d'accord, il faut mettre un peu d'ordre. Je ne suis pas nécessairement sûr que pour parler de jumeaux numériques, il faille mettre systématiquement de l'intelligence artificielle. Si je parle d'un problème qu'un jumeau numérique, c'est un modèle qui est mis à jour en fonction des données qui remontent du terrain, on doit pouvoir le faire dans certaines circonstances sans avoir besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi être implantée dans ce cadre-là et être utilisée en termes surtout effectivement d'apprentissage. OK. Une deuxième question, alors, puisque c'est... On en a un peu parlé, notamment dans les interventions précédentes, mais je peux y revenir. C'est vrai que quand vous avez parlé de la situation sanitaire aujourd'hui, vous avez mis l'accent sur le problème, par exemple, de la sécurité des travailleurs, ou je pense que vous avez reparlé du travail distanciel. Mais c'est vrai que je pense que c'est un point quand même qui est important dans la remise en cause, je pense, des critères finalement aujourd'hui qui sont mis en œuvre dans la construction ou, alors, construction individuelle des bâtiments, mais de façon plus générale dans la ville, hein, puisque finalement, on entendait un discours ambiant sur les villes depuis quelque temps d'un point de vue écologique qu'il fallait redensifier les centres-villes par le fait que c'était une façon notamment de faire des économies sur les transports en commun. Aujourd'hui, on nous explique qu'il faut garder de la distance entre les gens. Tout ça, finalement, sont des injonctions qui sont paradoxales. Est-ce que sur ce côté-là, la crise sanitaire vraiment a mis en avant d'autres paramètres, je dirais effectivement, qui ne comprenaient pas nécessairement en compte jusque-là ou différemment? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'on doit faire venir la crise sanitaire devant ou bien je n'ai pas bien compris votre question? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit des critères qui sont apparus à cause de la crise sanitaire que l'on ne prenait pas en compte. On allait même dans l'autre sens. Oui. Hein, je vous dis par exemple, d'un point de vue écologique, on parlait de la redensification des centres, des centres-villes. Redensification des centres-villes et distanciation sont deux paramètres quand même qui ne vont pas nécessairement très bien ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que finalement on a tiré des leçons de cette crise sanitaire qui remettent en cause certains critères de construction, alors des bâtiments ou de la ville de façon plus générale? Oui, on a tiré beaucoup de leçons et ces leçons, je vais prendre l'exemple de l'Angleterre.
Normalement, si vous devez, si vous m'avez posé même la question que qu'est-ce avec quel projet que je veux commencer à mener recherche d'ici demain, moi je vais dire que quand le COVID a commencé, ici en Angleterre, on a annoncé les projets de financement dans les 18 mois que l'État devait financer les projets qui a fait avec COVID, comment gérer les projets avec le COVID dans les 18 mois, parce qu'on voulait trouver vraiment une solution concrète. Donc, d'ici moins trois ans, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est vraiment primordial, qui est vraiment urgent maintenant, c'est de trouver les solutions, comment on peut gérer le projet en tenant en compte l'impact de COVID. Comme vous venez de mentionner, ça a vraiment changé les paramètres. Et on a appris les leçons sur les chantiers, parce que si vous descendez sur les chantiers, comme on descendait à l'avant, et il n'y a pas de traçabilité des outils, des équipements, et les équipements ne sont pas bien identifiés, il n'y a pas les points, les équipements ne sont pas bien identifiés, ça peut poser des problèmes après. Oui. Donc, on a tiré vraiment les leçons. Mais j'ai vraiment parlé du problème relatif aux habitants, à l'habitabilité de la ville ou des bâtiments, je ne parlais pas des problèmes de sécurité ou des problèmes sanitaires au niveau de la construction elle-même sur les travailleurs. Ça, on se doute bien qu'elle existe, mais au même titre que n'importe quel travailleur. Mais c'est surtout sur les critères, je dirais, de conception même, c'est-à-dire des critères d'habitabilité aujourd'hui qui tiennent compte de problématiques de type sanitaire. Hein si on doit tirer en compte les habitants, moi je ne comprends pas votre question, c'est dans le sens... Comment on prend les habitants comme les usagers des projets de construction ou bien des bâtiments ou bien dans quel sens? Oui, dans le sens de est-ce qu'il y a de nouveaux critères qu'il faut prendre en compte dans la conception des bâtiments? Ouais. Et je ne parle pas des usagers, c'est-à-dire des habitants, je ne parle pas des travailleurs. Je dirais que les problèmes sanitaires des travailleurs, ça semble assez évident. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas les mêmes contraintes, je dirais, sanitaires pour les travailleurs dans le bâtiment qu'ailleurs, dans l'industrie ou à l'université. Par contre, sur les critères d'habitabilité, qu'est-ce que ça peut changer? La crise sanitaire du Covid, mais les crises sanitaires, puisqu'on peut supposer que des problématiques telles que le Covid nous a posées, il y en aura d'autres. C'est à ce sujet-là dont je parle. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui est arrivé, t'as paru de nouveau maintenant comme critère qu'il faut prendre en compte dans la conception même des bâtiments et des villes? C'est ça que je veux dire. Je ne peux pas répondre à votre question directement, mais ce que je veux penser, c'est en général de penser de ce qu'on appelle flexible, de penser le design de flexibilité. Parce qu'on faisait le design avant le COVID comme si ça ne peut pas changer, mais aujourd'hui, on a vu que le COVID nous a fait d'adapter ce qui existe. Donc, il faut aussi, on pense qu'on peut avoir encore d'autres crises sanitaires, ça peut ne pas être COVID, mais est-ce que ce qu'on pense dans nos terres aujourd'hui pour le design, ça a changé? Si on doit faire un design, il faut toujours penser à des dimensions de flexibilité. Est-ce qu'on peut changer à tout moment si une autre crise revient? Et ça, c'est une autre dimension. D'accord. Oui, mais ça me va assez bien comme réponse. C'est-à-dire, finalement, si on ne sait pas qu'est-ce que ça aura dans le futur, autant être adaptable, le prendre en compte pour essayer d'être justement réactif possible si une nouvelle crise arrive. D'accord. Alors, j'avais mon troisième point, je vais partir sur une question très pratique. Vous intervenez à l'ENIT, hein, c'est ça, vous faites des cours à l'ENIT? J'ai fait les cours là-bas 2014 à 2016. Et qu'est-ce que vous faisiez comme cours, en fait, à titre informe? C'était l'introduction, c'était le BIM aux étudiants de génie. Et l'autre même, c'est IUT qui était à côté, donc c'était le BIM, c'était sur le BIM. D'accord, oui, voilà, je me posais la question, parce que bon, l'ENIT, je connais bien, a quand même une orientation très industrielle, et c'est vrai que je cherchais à voir un peu finalement la relation qu'il y avait entre vos compétences qui relèvent donc du bâtiment par rapport au cursus que l'on peut trouver à l'ENIT. Alors pourquoi je posais cette question? Parce que finalement, c'est un peu l'introduction. Donc, nous en terminons donc là avec les rapporteurs de ces travaux. Nous allons passer donc aux examinateurs, en commençant par alors que je prononce correctement le nom. Donc, Gisèle Adeli Mofouloudjom de l'Université des Antilles. Je vous passe donc la parole. Enfin, je te passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Alors, je vais remercier Henry pour ce brillant exposé, pour cette présentation, vraiment très riche sur le plan de l'enseignement, le plan de la recherche et même des collaborations et des projets. Donc, vraiment, le travail était vraiment très, très riche et très fourni. Donc, je suis mathématicienne, donc ce n'est pas vraiment très mon domaine, mais j'ai vraiment pris plaisir à lire votre mémoire. Et donc, je vais beaucoup plus me placer du côté de, je n'ai pas dit de l'homme de la rue, de la femme de la rue. Donc, mes questions vont aller tantôt. Ça veut dire que je vais essayer de comprendre un peu ce que vous faites vraiment, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas vraiment claires pour moi. Et peut-être parfois parler un peu de mathématiques. Donc, voilà. Quand vous avez commencé votre exposé, vous avez exposé vos motivations. Vous avez exposé vos motivations. Et parmi les motivations, vous dites, bon, c'est parfois certaines carences. Vous avez pris, par exemple, le cas du Cameroun et d'autres pays aussi, certaines carences au niveau de la gestion des projets qui vous ont poussé à embrasser un peu, à faire tout ce que vous avez fait jusque-là. Alors, je vais vous poser une question. C'est que maintenant que vous avez quelques compétences, et je pense un peu au Cameroun, okay, est-ce que vous avez des initiatives, comment est-ce que vous pouvez transposer effectivement ou bien adopter cette histoire de BIM au niveau du Cameroun? Ok, ce que j'ai fait pendant des années, depuis que je me suis engagé dans les recherches et d'enseignement de BIM, par rapport au Cameroun, en Afrique en général, mais surtout le Cameroun, et que de temps en temps, je rentre à l'école polytechnique donner des cours de BIM, essayer de motiver les étudiants dans ce sens et aussi co-encadrer les étudiants qui font de la recherche. Donc, j'ai fait ça à l'école polytechnique de Yaoundé et à l'école de travaux. Je crois même que d'ailleurs, le directeur est même ici. Depuis des années, on essaie de travailler, de voir comment on peut introduire le BIM. Je crois qu'on a introduit un programme de master avec un bon composant de BIM à l'école de travaux. Donc, au plan d'enseignement, je rentre donner les cours dans ce sens. Donc, je mène les séminaires scientifiques à l'École nationale polytechnique et à l'école de travaux. Oui. D'accord. Oh, j'ai envie de dire ceci, quelque chose que je pose assez souvent, très simple. Je dis que pour la personne qui ne s'y connaît vraiment pas, parce que vous parlez d'énergie grise, des choses. Qu'est-ce que vous entendez vraiment par énergie grise? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, énergie grise? OK. Énergie grise, c'est énergie qui est liée, qui est dégagée quand on extracte un matériau de source jusqu'au site de construction. Bon, ça peut être au site de construction ou bien à l'usine de fabrication. Ça dépend de la définition. Je vais prendre un cas simple. Quand on prend un bois, quand on coupe un arbre en Afrique, pour avoir un bois, il faut qu'on coupe un arbre, peut-être quelque part en Afrique, et il faut qu'on le scie. Quand on coupe, il y a l'énergie, c'est le kérosène qu'on utilise dans la machine pour le couper. Et ça, c'est kérosène. Si on part dans la base, on peut vraiment calculer. Ça, c'est de l'énergie. Donc, quand on coupe cet arbre, ça consomme. Et quand on veut le transporter avec la voiture, avec les grumiers de brousse jusqu'au port, ça consomme d'énergie, ça consomme de kérosène. Et de port, on met dans le train ou bien dans les trains pour amener quelque part. Et après, dans le train, on peut mettre dans les... Est-ce que c'est le bateau, le ship? C'est encore quoi? Bateau. Ah, c'est le bateau? Oui. Oui, on met dans le bateau pour amener en Europe. OK? Donc, c'est d'énergie. Et dès qu'on arrive en Europe, on peut maintenant transporter par voie ferroviaire avec les trains pour mettre dans les usines. Et dans les usines, on peut faire les transformations. Donc, de source, là où on a coupé l'arbre, jusqu'à l'usine, l'énergie qu'on dégage pour faire ça, ou bien on consomme, c'est ce qu'on appelle énergie grise. D'accord. OK. Et quelle différence faites-vous entre cette énergie et l'énergie opérationnelle? L'énergie opérationnelle, c'est l'énergie qu'on utilise pour, par exemple, prenons le cas de bâtiment. Quand on a construit un bâtiment qui existe, l'énergie opérationnelle, c'est l'énergie qu'on utilise pour, par exemple, alimenter les ordinateurs, les projecteurs, donc tout ce qui comme appareil qui consomme l'énergie dans un bâtiment.
Les chauffages aussi. Okay. D'autre part, dans votre transparent, tout à l'heure, vous avez mis, je ne sais plus quelle page, dans le PowerPoint, hein, vous avez mentionné qu'il y avait le facteur déchet qui comptait aussi. Alors, comment est-ce que ce facteur est calculé? Là, j'ai mis 1 plus mur fois quelque chose. Ce facteur, ça, c'est aussi un problème qui existe en construction. Ce facteur, normalement, il n'y a pas une formule pour le calculer. C'est par approximation. Alors, j'ai d'autres questions un peu de type, là, je sors un peu des mathématiques, de type un peu général. Alors, quand vous avez présenté votre exposé, vous étiez votre présentation tout à l'heure, vous nous montrez des courriels où, effectivement, vous expliquez comment est-ce que votre travail a été apprécié avec comment certains chercheurs apprécient vos travaux. Qu'en est-il des gens de la construction? Est-ce que c'est les mêmes éloges au niveau de ce que vous faites comme recherche ou de l'utilisation de vos résultats? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, j'ai dit tout à l'heure dans la présentation, vous avez fait des mails, vous voyez, il y avait des trucs que vous barrez en noir et tout. C'était des échanges avec les chercheurs un peu partout dans le monde. Oui, qui faisaient des éloges, voilà, qui vous parlaient de vos travaux et puis de l'utilisation de vos travaux. Donc, ça veut dire que vos travaux sont très utilisés. Qu'en est-il des gens de la construction? Est-ce que vous avez le même éloge venant du monde du bâtiment? Voilà. OK. Oui, donc les gens, dans le plan professionnel, ce que je veux dire, est-ce que j'ai vraiment eu l'impact comme ça ou bien les gens m'ont... Ce que je peux dire, c'est quoi? Il y a les étudiants, la moitié de mes étudiants au niveau master sont les professionnels, donc ils font le master en distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils travaillent en temps réel. Et quand ils assistent à mes cours, des fois, ils m'invitent de venir le former sur le terrain, donc de former les autres cadres sur le terrain, sur le BIM. Donc, ça, c'est un impact direct. Et le cas de l'Inde, c'est un impact qu'ils ont suivi une de mes vidéos. Ils m'ont invité de venir faire la même formation avec les étudiants de, comment on appelle ça, l'école d'architecture et planning à New Delhi, c'est le deuxième dans ce domaine. Et en même temps, j'ai formé les étudiants avec les membres du gouvernement et les chefs des entreprises qui sont là. Donc, j'ai souvent les étudiants qui m'appellent de venir former leurs collègues au bureau et les autres, c'est des entreprises qui nous invitent à base de ce qu'on fait, puisque comme je viens de vous dire, le quantity surveying est vraiment un grand domaine ici en Angleterre. Donc, j'ai les invitations pour faire la même chose. Ah, d'accord, OK. Ouais. Et je vais terminer par une question d'ordre vraiment général, donc comme une autre question d'ordre général. Donc, qu'est-ce que je disais? Ce que j'ai regardé quand vous aviez un tableau, le tableau des différents, de l'encadrement, parce que vous avez quand même encadré pas mal. Donc, il y avait 3 thèses qui étaient déjà soutenues. D'accord? Quel est le devenu de ces doctorants? Qu'est-ce qui devient ces doctorants? Il y a un tableau, il y avait des thèses, il y avait, je crois, 6 en tout, voilà. C'est bien avant ça. C'est ça? Non, remonter encore. Je crois qu'il y avait et un petit tableau avec le nombre de thèses. Il y a 6 et puis 3 soutenues. Oui, ça, c'est 3 soutenus. Vous ne voyez pas? Voilà, c'est ça, exactement, les 3 soutenus. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces doctorants? Ah, le premier, il a même eu le travail à Manchester University avant sa soutenance, mais il travaille maintenant à University College London comme maître de conf. Mm-hmm. Et le deuxième, il est rentré en Malaisie, il est dans une université, vient de m'écrire, il enseigne, il est aussi recruté comme maître de conf au Malaisie. Et troisième, travaille dans une entreprise, je crois, à Toulouse ou bien en Toulouse. D'accord, oui. OK. Ben, je vous remercie de toutes les façons. En fait, j'ai vraiment pris plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à lire vos travaux et surtout à écouter et regarder le contenu parce qu'il est vraiment riche. Hein. Donc, une fois de plus, je vous remercie et voilà. Donc, voilà. Monsieur le président du jury, je crois que j'ai terminé. Grand merci. Merci beaucoup pour à nouveau ces échanges, ces questions. On va donc passer la parole ensuite à Bernard Grabeau de l'ENIT. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais moi aussi commencer par féliciter Henry pour son exposé que j'ai trouvé vraiment
très complet, avec beaucoup de recul, en mettant en perspective des choses qui sont assez difficiles à relier. J'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Alors, j'ai seulement deux petites questions de curiosité. Je m'occupe d'un journal qui reçoit de plus en plus d'articles sur le BIM et je suis assez frappé par les différences qu'il y a entre la manière de considérer le BIM. Donc, je profite d'avoir un expert pour essayer d'y voir plus clair. Ce qui me paraît clair, c'est que le BIM, à la base, il y a une ou plusieurs bases de données. Qu'on stocke des modèles 3D des bâtiments, ça paraît aussi clair. Mais par contre, pour certains auteurs, ils disent que le BIM est un processus. Moi, ça me choque parce que pour moi, c'est un système d'information. Un système d'information peut être au service d'un processus. Mais dire que le BIM est un processus, ça m'étonne. J'ai vu d'autres écrits qui disent que le BIM est une méthodologie. Là encore, système d'information, processus, méthodologie, ça commence à me gêner. Et puis, ensuite, on dit qu'on stocke de la connaissance dans le BIM. Alors, qu'on stocke de l'information, ça, je suis tout à fait prêt à le croire. Est-ce que vraiment on peut stocker de la connaissance et sous quelle forme? Donc, pour résumer, c'est qu'est-ce que le BIM, un système d'information ou aussi une méthodologie ou aussi un processus et comment tout ça communique? Et est-ce qu'on peut stocker de la connaissance dans le BIM et si oui, sous quelle forme?